sûr maintenant passer à l'accord final, mais il y a beaucoup de choses, on vous les doit à vous. Tout le monde m'a dit qu'ils se sont engagés à travailler étroitement avec d'autres parties pour adopter un accord universel, robuste, sous votre direction. On sent vraiment le stress qui monte, un stress mélangé à une certaine excitation, parce qu'on n'a jamais été aussi proche du dénouement. C'est une échéance qu'on attend depuis 2011, qu'il faut que chacun ait le sentiment d'avoir été écouté, que ses positions aient bien été prises en compte par la présidence. Donc c'est un travail multilatéral extrêmement intense. À la fin de cette nuit, nous aurons l'ébauche du texte final. Et je pense, j'espère, être en mesure de proposer, comme je m'y étais engagé, demain, le texte ambitieux qui permettra un accord universel et contraignant sur le climat. Il reste à faire les derniers mètres. C'est comme dans un marathon, souvent ce sont les derniers mètres qui sont les plus compliqués. Mais nous abordons la nuit qui s'ouvre avec beaucoup d'espoir de succès.